Hello! Bonjour, 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 bonjour. Alors, j'attends un petit peu. J'attends de voir s'il y a des personnes qui arrivent sur le direct. On ne sait jamais. Des fois qu'entre midi et deux, sur votre pause déjeuner, vous passiez par ici, vous me passiez un petit coucou. Ce serait chouette. J'ai hésité sur le sujet d'aujourd'hui. En fait, non, j'ai pas du tout. N'importe quoi. En fait, à la base, je pensais parler d'autre chose parce que il se trouve que hier, je vous en parlerai, je pense, dans les prochains lives. Hier, j'ai appris une très mauvaise nouvelle concernant la famille. Enfin bref, un truc compliqué qu'il va falloir accompagner. Donc voilà, donc ça m'a challengée et je me suis dit, bon, j'ai parlé de ça. Puis en fait, non, parce que ma journée a continué et il se trouve que je viens de m'engager pour rejoindre un programme avec une coach que j'adore. Alors, sachant que j'ai déjà un programme avec une coach, donc ça me fait double coach en ce moment. Mais parce que c'est des approches différentes et c'est complémentaire et du coup, ça m'apporte pas les mêmes choses. Et clairement, en fait, c'était une décision hyper challengeante. C'était une décision hyper challengeante parce que ça m'a demandé de m'engager sur une somme que je n'ai pas actuellement sur mon compte. Ouais, de me dire, mais non, mais en fait, j'y vais quoi, j'y vais, je m'en fiche, j'y vais. Alors, là où je veux en venir, c'est pas de dire, allez, on n'a pas les moyens de se payer un coaching, on y va quand même. C'est qu'en fait, cette somme, je ne l'ai pas sur mon compte, mais je l'ai ailleurs. Et en fait, ça fait un petit moment que je suis cette coach, que j'ai très 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 envie de rejoindre ses programmes parce que je sais que ça m'apporte. J'en ai déjà fait avec elle et je sais que ça change énormément, ça me rend plus puissante. C'est hyper inspirant pour moi et hyper remuant aussi. Donc je savais que voilà, c'était là que c'était ma prochaine étape. Et en fait, je me racontais que je n'en avais pas les moyens. Et c'est intéressant parce que hier, j'avais une maman au téléphone. Hier, mais c'est hier. Hier, j'avais une maman au téléphone qui veut rejoindre l'accompagnement Nouveau Regard et qui était challengée par le prix et qui m'a dit non, mais voilà, je vais voir comment je m'organise financièrement, mais pour le moment, je suis pas sûre. Ok. Et clairement, il est hors de question pour moi que les personnes se mettent en difficulté financièrement pour être dans mes coachings, ça c'est pas possible. Mais là où ça m'a fait réfléchir, c'est que parfois en fait, l'argent en fait on l'a. Et c'est pas, je parle pas juste pour le fait d'être sur mon coaching, c'est pas du tout ça, mais en fait parfois l'argent tu l'as. Et même des fois tu le dépenses déjà pour d'autres choses, c'est juste que tu n'oses pas, tu ne te permets pas d'utiliser cet argent pour toi. Et alors moi, ça m'a énormément challengée parce que il y a un côté, oh là là, mais cet argent, c'est des économies, si jamais on a besoin, si jamais ci, si jamais ça. Et hier, j'ai fait le live, pour ceux qui l'auront vu, j'ai fait le live sur Instagram avec Yousra Andalib, qui est coach aussi, et qui est une nana que j'avais rencontrée. Une très 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 chouette, très très chouette jeune femme que j'avais rencontrée dans un programme où on se faisait coacher aussi. Enfin, dans un programme avec David Laroche, hein, il n'y a pas de secret. Et donc on avait beaucoup échangé. En fait, hier, elle m'a dit cette phrase qui a du coup, je pense, résonné aussi en moi. Elle m'a dit, mais en fait, quand on investit sur soi, on perd jamais. Quand on investit sur soi, on perd jamais. Et c'est tellement vrai. C'est tellement vrai que je me suis dit, mais en fait, quel que soit l'endroit où m'emmène ce coaching que je viens de prendre, déjà, d'une, je suis tellement heureuse de me l'offrir, de me le permettre, de me dire que j'y ai droit, que de toute façon, ça ouvre déjà une porte en moi. En fait, je me suis pas inscrite dans ce programme en tremblant et en disant « Oh là là, c'est horrible, je dépense des sous ». Au contraire, en fait, je l'ai fait en me disant « Waouh, c'est trop bien! C'est trop bien !» Alors oui, ça me challenge parce que je me demande comment je vais. Enfin voilà,
Je me pose des questions sur la suite du financement. Est-ce que je vais devoir aller puiser dans mes économies ou pas? On verra bien. Mais je suis heureuse en fait. Je suis heureuse d'intégrer cette communauté parce qu'il y a de ça aussi. Je suis heureuse d'être accueillie avec amour. Je suis heureuse de ressentir ça à l'intérieur de moi. Je suis heureuse de m'être permise ça. Et rien que ça vaut le coup en fait. C'est quand même dingue à quel point pouvoir se permettre, pouvoir s'offrir, pouvoir se donner cette place-là, ça donne du sens, ça contrebalance en fait toutes des croyances de je mérite pas, j'ai pas le droit, je suis pas légitime. Alors ces croyances, moi j'ai déjà beaucoup travaillé, donc ça va déjà beaucoup mieux, je me permets du coup de faire ces choses-là, mais il y a quelque temps, en fait, ne serait-ce que de m'acheter des vêtements pour moi alors que j'avais les enfants à gérer, c'était compliqué. Donc je prenais tout le temps, tout le temps, tout le temps, les trucs les moins chers, les trucs en solde, les trucs qui finalement s'accumulent et me plaisent pas, avec lesquels je me sens pas bien dedans. Et ça entretient un sentiment négatif, ça entretient quelque chose de lourd à porter, en fait. Donc oui, il y a un moment. Il y a des décisions que tu prends, pas par rapport à réellement tes moyens, pas par rapport à réellement tes compétences, mais par rapport à l'histoire que tu te racontes. Quelle est l'histoire que tu te racontes? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu vis? Qu'est-ce que tu te dis qui te permet de renforcer cette histoire, de renforcer cette croyance? Moi, c'était ça, c'était je peux pas me permettre. Je peux pas me permettre de me payer cet accompagnement parce que j'ai pas les moyens. Parce que l'argent que j'ai de côté, c'est pas pour moi en fait, c'est pour les autres. Parce que c'est pas si important que ça. Que je kiffe la vie. Mais n'importe quoi! Mais je suis plus d'accord pour vivre là-dedans en fait. Cette histoire, c'est fini. Cette histoire, pour moi, est... Je refuse de la suivre. Maintenant, je crée, j'invente ma propre histoire. Je raconte ce que je veux, moi. Je crée ma vie. Je crée mes pensées, je crée mes croyances. C'est moi qui décide. Oui, j'investis une belle somme pour mon bien-être, pour mon épanouissement, parce que je sais que ça va... En fait, je sais que ça va m'aider. M'aider, c'est même pas le mot parce que c'est pas de l'aide dont j'ai besoin. Ça va me permettre de grandir encore plus, d'évoluer et d'être encore une meilleure coach pour mes clientes. Ok, cool. Mais avant tout, je le fais pour moi. Parce que moi, je vais kiffer là-dedans. Moi, je vais grandir. Moi, je vais m'épanouir. Je vais me sentir de mieux en mieux. Après, ça va rayonner sur mes enfants, sur mes clientes, sur ma famille, sur mon mari, sur toutes les personnes autour de moi. Oui. Mais si mon objectif, c'est d'abord pour les autres, mais je passe à côté de quelque chose en fait. Si en me lançant dans tel ou tel programme, si en faisant tel ou tel projet, mon but, c'est dépend des autres, ben je risque d'être déçue parce qu'en fait, j'ai pas de pouvoir sur la réaction des autres. Tu peux, et alors c'est là où, ben, comme quoi, je suis pas pour rien. Ok, je respire un peu. C'est parce qu'il y a un truc qui m'est venu dans la tête, hein. Je suis un peu bizarre, mais il y a des fois, en fait, quand je parle de certaines choses, quand c'est ce qui se passe dans mes coachings, c'est que tout d'un coup, il y a un truc qui me vient et ça... Voilà, c'est fulgurant. Et en fait, je peux pas attendre que mon entourage soit sensible à mon épanouissement, soit impacté par ce que je vis moi. Et il se trouve que ce qui me challenge énormément actuellement, c'est mes frères. Là, je suis un peu émue, donc on va tenir le coup parce que c'est très récent. Ok. Et donc... Et donc j'ai un frère qui a été dépressif, qui va un peu mieux maintenant. J'ai un autre frère qui va pas bien du tout.
Et c'est d'apprendre que j'y suis pour rien et que j'en suis pas responsable et de continuer d'avancer malgré tout. Et c'est pas de l'égoïsme parce que mon frère, je l'aime énormément et que je suis là pour lui, même s'il me répond pas quand je l'appelle. Et j'aimerais pouvoir l'aider, en fait. J'aimerais pouvoir l'aider, j'aimerais pouvoir le sauver. Comme j'aurais aimé pouvoir sauver ma mère à l'époque, comme j'aurais aimé pouvoir sauver mon père à l'époque. Et j'ai fait énormément de travail sur moi pour justement intégrer à l'intérieur de moi que ce n'est pas de ma responsabilité. Je les aime, je suis là pour eux. Ben, mes parents ne sont plus là, mais mes frères, je suis là pour eux. Je leur dis, donc je fais ma part, je leur dis que je suis là pour eux, que je les aime. Je leur tends la main. Mais ce qu'ils en font derrière, ça m'appartient plus. Et j'ai beau... J'ai beau rayonner autant que je veux. J'ai beau travailler autant que je veux sur moi et voir à quel point la vie peut être belle. Moi, je vois tout ce qui se passe de bien dans leur vie. Je vois à quel point ils pourraient s'épanouir. Je vois très exactement leurs blessures et là où ils souffrent et là où ils pourraient s'ouvrir pour aller mieux. Mais je ne peux pas les aider s'ils n'ont pas envie. Je peux briller autant que je veux. Je peux travailler sur ma propre lumière, sur ma puissance. Si ils veulent pas, s'ils restent bloqués dans leur souffrance, ça impactera jamais sur eux. Et moi, ben, j'y peux rien. Donc, soit je me bats, mais je me bats dans le vide parce que tu peux pas sauver quelqu'un qui a pas envie d'être sauvé. Tu peux pas aider quelqu'un qui a pas envie d'être aidé. Donc, tu peux lui montrer que t'es là. Tu peux lui montrer que ta porte est ouverte encore et encore et encore, parce que des fois, il y a certaines personnes qui ont du mal à accepter qu'on les aime. Mais il faut accepter que leur part à eux, c'est leur part à eux, et que j'ai pas de pouvoir là-dessus. Donc, si aujourd'hui, tout ce que tu fais dans ta vie, sur ton bien-être, sur tout ce que tu fais, tout ce que tu vis au quotidien, si à chaque fois c'est pour que les autres aillent mieux, pour que les autres s'épanouissent, pour que les autres changent, tu vas t'épuiser pour rien parce que peut-être qu'ils vont changer, mais peut-être pas. Et c'est pas toi qui décides ça. La seule part que tu peux décider, le seul endroit où tu as du pouvoir, de la puissance, c'est sur toi en fait. Donc moi je t'invite vraiment à faire les choses en fonction de toi d'abord, parce que évidemment pour tes enfants ça va être beaucoup plus impactant, mais encore une fois ils prendront ce qu'ils ont envie de prendre. Évidemment nos enfants sont beaucoup plus perméables à ce qu'on vit, beaucoup plus impacté par ce qu'on vit que notre conjoint ou nos frères et sœurs ou nos parents. Mais avant tout, la seule personne que tu peux changer, c'est toi. Donc encore une fois, quelle est l'histoire que tu te racontes aujourd'hui? Qu'est-ce que tu te racontes aujourd'hui pour t'empêcher de vivre la vie que tu as envie de vivre? Quelles sont les croyances que tu suis, que tu valides jour après jour par tes actions, par tes pensées, par ta façon de voir les choses, par ton interprétation de la réalité. Qu'est-ce que tu décides en fait de suivre? Est-ce que tu subis ces pensées-là, ces croyances, ou est-ce que tu te redéfinis, est-ce que tu vas là où toi tu as envie d'aller, là où toi tu décides d'aller? Alors oui, aujourd'hui, j'ai investi une somme que je n'ai pas sur mon compte dans un accompagnement qui est
qui est pas censé avoir de résultats concrets en fait. Et je suis contente. En fait, c'est pas censé. Enfin, voilà, le but de cet accompagnement, c'est pas que je gagne plus d'argent. Donc, c'est pas un investissement dans le sens où j'investis dans une formation pour ensuite gagner de l'argent avec. Non. Bien évidemment que ça va impacter sur mon entreprise parce que mon état de bien-être impacte sur mon entreprise. Mais c'est pas pour ça que je le fais en fait. Et heureusement que c'est pas pour ça que je le fais parce que sinon je le ferais avec beaucoup de pression, beaucoup d'attente, beaucoup de risques de frustration finalement. Et là, je le fais juste parce que j'en ai envie, parce que je me donne cette permission et cette place et parce que je le mérite, parce que j'ai décidé que je le méritais, parce que j'ai décidé que c'était important pour moi d'investir cette somme et de me lancer dans ce programme. Donc voilà, je t'invite vraiment juste à rester ouvert en fait à ce qui va devenir parce que en fait là je te pose une vraie question. Quelle est l'histoire que tu te racontes? Parce que on a tous des scénarios dans nos vies, on a tous des histoires qu'on se raconte. Et on vit au travers de ça. Donc laisse venir. Juste intègre cette question et vois ce qui devient. Observe. Observe les pensées qui reviennent, observe les phrases qui reviennent, toutes les croyances qui peuvent remonter. Regarde ce que c'est. Regarde ce que ça te dit. Regarde est-ce que ça te porte. Et vois ce que tu en fais. Est-ce que tu décides, est-ce que tu choisis de changer ça? Voilà, je m'attendais pas à être aussi émue pendant ce live, donc voilà. Si tu es intéressé par l'accompagnement Nouveau Regard, du coup là on est début juin, donc il y a 3 nouvelles places qui sont ouvertes. Et le coaching de groupe, parce qu'il y a des coachings de groupe dans Nouveau Regard, donc le coaching de groupe je pense qu'on le fera mi-juin. Donc c'est le moment. Si tu te sens appelé, si tu penses que c'est pour toi, si tu décides de changer l'histoire que tu te racontes, si tu as envie de vivre une belle vie avec tes enfants, de pouvoir leur dire ce qui se passe pour toi, de pouvoir les accueillir pleinement, d'être vraiment toi en fait. D'être juste vraiment toi. De décider, de choisir en fonction de toi, avec le cœur grand ouvert, à la fois à tes enfants et aussi à toi. Et pour moi, vraiment, la relation, c'est ça. C'est pas juste moi, c'est pas juste mes enfants. C'est ce qu'on crée ensemble. Voilà, donc si ça t'intéresse, tu peux me contacter par tous les créneaux possibles. Sauf, enfin, en fait, si, en message privé, si on n'est pas amis sur Facebook, je ne les vois pas forcément. Et sur Instagram, c'est pareil, en fait, il y en a plein qui tombent dans les spams, que je vois des fois 10 jours après. Donc, si j'ai pas répondu sous les 24-48 heures, c'est que je ne l'ai pas eu. Donc, dans ces cas-là, soit prendre rendez-vous directement sur mon agenda en ligne, comme ça on en parle au téléphone, c'est beaucoup plus simple, soit mettre un mot sur un post. Voilà, je vous embrasse vraiment, vraiment très fort. Et bah voilà, faites-moi un petit coucou quand vous verrez ce live. À bientôt. Ciao.